Bonjour Gisèle, bonjour Laetitia. Bonjour Bonjour. Pascal, bonjour Laetitia. Voilà Gisèle, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Merci. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé, bien sûr. Alors, j'ai un gros manque de concentration et je pars souvent dans tous les sens. Voilà. D'accord. Alors, vers mes 14 ans, j'avais fait beaucoup de malaises, dont un où j'avais vu m'avait défilé. Et je me suis retrouvée petite fille. Et à cette même époque, j'ai eu les poignets, chevilles fracturées. Dans la même année. Et c'est quoi ta question? Eh bien, j'aimerais savoir pourquoi. Si Donc, ce manque de concentration vient par rapport à ça. tu as eu beaucoup de fractures, beaucoup de malaise, ça? Oui. Et quoi d'autre? Les fractures et les malaises. D'accord, pourquoi? Ok. Voilà. Ensuite? Après, à 26 ans, j'ai eu un lymphome non Hodgkinien et depuis, je fais des insomnies de entre 1 h et 3 h du matin. Tu as fait quoi? J'ai pas compris. Je fais des insomnies. Ah, samedi, il me semblait que tu as parlé d'autre chose avant. J'ai fait un lymphome non Hodgkinien. C'est quoi ça? C'est un cancer ou des nodules où ça se pose, ça mange, si tu veux. D'accord, et Cancéreux, quoi. C'est dans quelle les partie? lymphocytes qui sont cancéreux. D'accord, et dans quelle partie? Dans lymphocyte, d'accord, donc c'est tout le corps Voilà, alors. donc c'était pas localisé, donc ils appellent ça un cancer nomade. Ah, nomade, d'accord, ok. Et alors, Voilà. depuis, ça s'est réglé? Depuis, ça s'est réglé. Et j'ai refait un cancer il y a 4 ans au sein. Oui. Donc là, j'ai une nécrose au sein droit, donc là où ils m'ont fait la radiothérapie. D'accord. Et depuis l'enfance, sur mon sein droit, j'ai un mamelon qui est rentré. Au sein droit, hein? Oui, au sein droit. Et suite à cette intervention, ils m'ont pas trouvé le ganglion sentinelle. D'accord. Et alors, ça veut dire quoi? C'est réglé ou c'est pas réglé du coup Et ton ben du cancer? coup, je sais pas si j'ai ce ganglion ou non. D'accord. Ok. Donc depuis, je suis sous traitement hormonothérapie. D'accord. Qui m'a déclenché donc beaucoup de douleurs aux articulations. Donc, douleur, articulation. Donc, ça, c'est Voilà. les traitements alors. Voilà. Surtout la main gauche au pouce. Voilà. Et j'ai les chevilles bloquées aussi, les chevilles et les poignets qui se bloquent. Et le majeur de la main droite, qui le matin, il faut que je le déroule pour l'ouvrir. Donc le poignet à gauche, c'est ça, Oui. qui se bloque, hein. Oui. Et la main droite, le majeur, le matin, il faut que je le déroule. Majeur, main droite. Ok, et tout à l'heure, tu as parlé d'insomnie, hein. Oui. Donc j'ai de l'ostéoporose aussi. Ostéoporose, oui. Voilà. Et je fais des furoncles au niveau de la vulve. Donc, ok. Voilà. Et depuis un mois, j'ai mal aux jambes. Okay. Depuis un mois, d'accord. Voilà. C'est bon pour la santé? C'est bon pour la santé. Alors, les autres points? Alors, les autres plans, c'est la relation avec ma fille. Donc, ben jusqu'à ses 20 ans, on a été très, très complices. Et là, avec son dernier compagnon, les choses se sont dégradées. Donc, du coup, je ne vois pas mes petits-enfants. Voilà. Ok. À quel âge? 37.
D'accord. Bien. Ensuite. Alors, ma relation avec ma famille, donc, je suis la dernière d'une fratrie de 6. Donc, avec mon dernier frère, ça se passait très, très bien. Et avec les autres, c'est compliqué. J'ai pas réussi à trouver ma place ou quand je parle, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. D'accord. C'est des frères et sœurs, c'est ça? Oui, c'est mes frères et sœurs. Frères et sœurs, hein? Voilà. Et avec ma mère, elle est décédée il y a 2 ans, mais c'était compliqué aussi. Donc, je ne sais pas si c'est une éducation, en étant la dernière, qu'il fallait ne pas parler, ou je ne sais pas. D'accord, on verra ça. Voilà. Après, j'ai une question. Quand ma fille était petite, il y avait une connaissance de la famille qui avait offert une poupée en chiffon. Et une semaine après, elle nous a invités à la brûler parce que, soi-disant, c'était de la sorcellerie. Donc, je ne sais pas si c'était pour faire peur ou si c'était vrai. Qui est-ce qui t'a demandé de la brûler? La personne qui l'avait offert à ma fille. Ah, la même? D'accord. Oui. D'accord. Donc elle lui offre la poupée et après elle revient vers toi pour te demander de la brûler, c'est ça? Oui, elle a envoyé un courrier en fait. Donc, je ne sais pas si ça a des répercussions ou non. D'accord. Pourquoi? Ok. Voilà. Après, j'ai une peur, une grosse peur des nains et des araignées. Peur des quoi? Des nains, c'est ça que tu as dit? Des nains Peur des nains. et des araignées. D'accord. Les nains de jardin, tu veux Voilà. dire? Non, non, des nains. Ah, les nains, d'accord, des personnes, d'accord. Oui. Ok. Voilà. Un jour, j'en ai vu un au bord de la route et en fait, j'ai jamais su si c'était un nain ou pas. J'avais vu quelque chose au bord de la route et je sais pas ce que c'était. D'accord. Voilà. Et après, l'année où j'ai été malade, mon mari a été malade l'an d'avant et chaque fois, il est rentré une chauve-souris dans la chambre. Les Quand deux tu étais fois. malade, toi et ton mari aussi? Oui. Ah, d'accord. Et je voudrais savoir si cette chauve-souris, c'est. Je vends notre maison où on était avant et il y a un blocage pour la vente. Je voudrais savoir si c'est la même chose. Voilà. Après, pour terminer, j'ai fait une journée de formation sur le Tu vas pendule trop humain. vite. Tu vas trop vite, j'arrive pas à tout Ah, noter. pardon. Ouais, je te dirai, hein. Donc, Oui. attention encore à la chauve-souris, tu vois. Voilà. Donc là, tu me parles d'une maison que tu n'arrives pas à vendre, c'est ça? C'est ça. Depuis longtemps? 2 ans, mais on l'avait vendu l'an dernier et le prêt a été refusé. Voilà, il y a toujours quelque chose. Ok. Voilà, et après, la dernière, j'ai fait une journée de formation sur le pendule lui-même, avec des codes d'activation pour programmation. Donc, je voudrais savoir si c'est bon pour moi, si je peux le continuer à le pratiquer. Le pendule, c'est ça? Oui. Ok. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter? Ben, mon mari, ma fille, son compagnon et sa famille, mes petits-enfants, Ben c'est sa famille, ok. voilà, mes frères et sœurs et leurs conjoints, Père et sœur, une famille, d'accord. voilà, et toute la famille. Famille générale. Voilà, mes amis de cœur. Amis de cœur, oui. Voilà. D'accord, tu as des animaux? Non, j'ai des poulets et des lapins. Alors, on va dire les poules et lapins, hein? Et puis les animaux de la famille, s'il y en a. Voilà. Hein? Alors, pour les deux désincarnés, qui choisis-tu? Alors, mon père.
Ouais. Et ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle. Eh bien, c'est parti pour l'aventure. Merci. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 44 000. 44 000. Tu te sens suffisamment hors de taille, 44 000? En sécurité? Oui. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. J'ai ma ligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Gisèle. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors j'ai l'impression qu'il y a... En fait, je vois que le haut de son corps. Toute sa physicalité du bas, inférieur, elle est cachée dans un enclos, on aurait dit. C'est comme si elle était dans une sorte de cuve et qu'il n'y avait que le haut qui dépassait avec les bras. Donc au niveau de la poitrine et la tête. Donc je perçois des énergies qui sont des fréquences différentes. Elle a les bras en croix. J'ai la sensation, enfin je la vois tourner un cran après un cran. C'est comme si elle avait les bras en croix et que à certains moments, à certaines fréquences, puisque je vois les énergies changer, parfois ça bouillonne, parfois ça stabilise, parfois ça se strie, ça se brouille même, et c'est à chaque fois qu'on la tourne d'un cran comme ça, dans une cuve, qui la cache à moitié, puisque je ne vois pas le bas de ses jambes, et à partir de la poitrine, je ne vois pas son ventre non plus. D'accord. J'ai la sensation qu'elle est pelée de la tête, c'est-à-dire comme si elle n'avait pas de cheveux, comme si on l'avait pelée. Je sais pas comment expliquer Oui. plus ça. Oui, tu l'as tendu. Ouais, mais c'est vraiment le terme pelée, c'est-à-dire comme s'il y avait Enlever la peau. ouais, il y avait des couches d'elle-même qu'on avait enlever, mais ou brûler, c'est comme quelque chose qu'on irradie, voilà, c'est ça le terme. Comme si au niveau de son crâne, de sa tête, c'était irradié. Ouais, ça irradie, ça dysfonctionne. Enfin, j'ai la sensation entre la partie subliminale et sa partie énergétique inférieure avec le corps physique qui est complètement, on va dire, déconnecté et c'est dysfonctionnant, quoi. Il n'y a pas d'échange d'informations. D'accord. Elle ne perçoit rien de sa partie subliminale. Ok. Quelle est la partie d'elle que tu vois qui est dans cette espèce de cube? C'est la subliminale ou c'est l'autre partie, la physique? Non, la subliminale, elle n'est pas là. C'est les parties énergétiques et physiques. D'accord. Ok. C'était, on va dire. Bien. Où est-ce qu'elle est la subliminale? Je la vois pas. Elle est comme. Enfin, je l'aperçois, mais je ne la vois pas. Je ne sais pas comment expliquer. Je sais qu'elle est quelque part, mais je ne la vois pas. D'accord, ça veut dire quoi? Qu'elle se cache ou elle est dissimulée? C'est C'est elle comme. qui se cache? Je prends l'information pour voir si c'est elle. Oui, j'ai l'information que c'est elle qui se cache. Elle est en grande difficulté. Il n'y D'accord. a pas de lien. En fait, c'est comme si je voyais des énergies déviées entre le soi supérieur et sa partie subliminale et jusqu'à sa partie éthérique et physique.
C'est comme si les énergies étaient déviées. Ouais, c'est le mot qui me vient. Vraiment, c'est le terme déviation. D'accord. Que vois-tu d'autre? Si tu la scannes encore. Ah oui, j'ai aperçu une sorte de cordon au niveau de sa nuque, je dirais, derrière. Comme j'ai le terme la maintenir en vie. À la nuque, c'est ça que tu dis? Ouais, derrière. De couleurs, il y a des couleurs bleues en plus qui traversent ce tuyau. Des couleurs bleues. Ah. Une énergie. Est-ce que c'est possible que c'est une énergie diamantine, diamantin, il y a quelque chose comme ça. D'accord. L'énergie diamantine qui circule dans ce cordon, tu veux dire la nuque? Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on lui injecte. Mmh. C'est injecté, hein. C'est pas naturel. D'accord. Et donc c'est pour la maintenir en vie, tu as dit. Ouais, comme une pompe, comme on pompe le cœur, comme le cœur il est pompé, c'est une pompe. Ça aspire l'énergie alors, tu veux dire? Non, c'est injecté, ça vient dans. Injecté. Ok. Il y a vraiment ce terme, la maintenir en vie. Ce qui est complètement en décalage avec les autres énergies qui, d'un côté, l'irradie, en haut. Et le bas est complètement inexistant, on va dire, ou bloqué, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ok. Alors, que vois-tu d'autre? C'est dans une salle. Non, pour les dispositifs, c'est tout ce que je vois, j'ai déjà aperçu des entités. Ok. Qu'est-ce que c'est les causes qu'on prenne tout ça? Elle est désancrée, c'est dysfonctionnant, elle n'est pas connectée à ses parties supérieures, comme le soi supérieur. Les informations sont déviées. La partie subliminale, c'est dysfonctionnant et elle ne peut pas, comment dire, l'aider. Dans les conséquences, il n'y a plus rien qui se régule tout seul, en fait, dans son corps physique. Il n'y a même pas l'élémental qui essaye de compenser. Il est complètement irradié, c'est encore ce terme-là qui me vient. Donc, c'est bloquant. Et ça ne se régule pas dans le corps physique, en tout cas. D'accord. Bien. Alors, qui est derrière tout ça, alors? Qui sont responsables de ces situations? J'ai vu des tigris s'occuper d'elle. Dans un premier temps, ils sont sur une passerelle au-dessus de la salle. Ouais. Plus haut, dans la hiérarchie, c'est un reptiloïde qui ressemble à un draco. Mais il est jaune. Il a une essence autre que les rouges que je peux connaître. Une autre race de draco. Il est plutôt jaune. Il dirige l'opération. Pour expérience, pour en récolter aussi de l'ADN, de l'ADN qui a été récolté sur Gisèle. Oui. L'expérience de pouvoir s'infiltrer sur Terre, directement de là où il se trouve en fait. Le drapeau, je parle, pas les tigrines. Tu veux dire à travers un corps humain, tu veux dire? Ouais, mais de là où il se trouve. Donc, c'est en maîtriser toutes les dimensions, plus la dimension 3D, plus le corps physique.
Il est dans quelle dimension-là? Entre la quatrième et la cinquième. Donc, ils infiltrent cette énergie diamantine qu'ils arrivent à extraire ailleurs. J'ai le terme dans l'air. Je ne sais pas, ils arrivent à extraire cette énergie pour... Oui. C'est l'énergie diamantine ou adamantine? C'est plus diamantin qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Ah, non, mais c'est bon. Ils extraient, ils le réinjectent sur Gisèle afin de la... c'est comme si elle était morte, j'ai envie de dire, pour prendre vraiment un terme qui est compréhensible, et qu'en la réinjectant cette énergie, ça la rend vivante pour qu'eux, ils puissent continuer en fait, à faire leurs expériences d'irradiation. C'est vraiment le terme irradié qui me vient, encore une fois. Okay. Tout ça, c'est pour en prendre contrôle. C'est l'énergie diamantine qui l'irradie, tu veux dire? Non, c'est leur dispositif. Ah, d'accord. Okay. Non, l'énergie diamantine, c'est pour la maintenir en vie, si okay. Je reprends le terme. D'accord. Ok. Ils puissent s'infiltrer. Voilà, je revois en fait ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, de s'infiltrer de leur dimension. Pour contrôler toutes les parties. Bien. Bien, bien, bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire une fois infiltrés alors? C'est quoi leurs objectifs? Alors, j'ai le terme habiter la Terre directement. D'accord. Ils ont pas, comment dire, une amélioration de leur race, en fait, c'est ce qui me vient, dans la 3D, en tout cas avec la biologie. Mais la biologie, en fait, c'est soit ils ont la biologie, ils n'ont pas les parties divines, entre guillemets, c'est-à-dire les parties énergétiques. En fait, il n'y a pas de... Ils n'ont pas ce lien-là que nous, on a, en fait. Le lien des parties supérieures et parties inférieures, dans l'entièreté, en fait, de l'être. Ils n'ont pas ça. Donc, c'est ce qu'ils recherchent. D'accord. OK. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle? Alors, la toute première fois, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. À 10 incarnations. Oui, ça s'est produit comment la première fois? En inter-incarnation, puisque je la vois flotter. Donc, toujours en inter-incarnation. Il n'y a pas de réincarnation, donc... j'ai le terme attrapé, hein, comme s'ils avaient, ils l'avaient fait prisonnière. De quelle manière ils l'ont attrapé? Dans l'essence même. Ils l'ont attrapé comme prisonnière, mais ils ont attrapé son essence en fait. Avec quoi? Comment? Son énergie subtile. Il y a un filet en fait. Hein. Je vois un filet, ils ont juste comme s'ils l'avaient attrapé. D'accord. Donc là, il n'y a aucun consentement. C'est un humilitaire, quoi. D'accord. OK. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'enferment dans cette salle directement. Cette salle, c'est quoi? C'est où? Elle est dans un vaisseau ou est-ce que tu la vois? Oui, c'est un vaisseau. Aux abords de l'espace terrestre. Ok. En reliance, j'ai le terme Orion qui est venu. Ils viennent d'Orion? Oui. D'accord, comme d'habitude. Ok. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 36. 36 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette transmatrice et sous quelle forme.
1, 2, 3. Alors, je l'observe dans la polarité féminine, très mince, on va dire, pratiquement transparente, grise et transparente. Je dirais même qu'elle a une essence, on dirait qu'il y a une technologie à l'intérieur d'elle. C'est en cinquième dimension. Je suis sur une planète où il y a de la technologie avancée et je dirais artificielle, mais aussi, artificielle, technologique. Qu'est-ce qui est artificielle, j'ai pas compris. Elle est biologique et. D'accord. Il y a de la technologie et c'est la planète, en fait l'essence même de cette planète, elle est artificielle. Elle se situe où? J'ai encore le terme constellation d'Orient qui me vient. Ah d'accord, c'est cette planète-là, d'où elle vient alors? Oui. D'accord. Quelle forme tu la vois alors? Elle est comment? Polarité humanoïde, mais plutôt très longue. Et un peu comme les robots qu'on peut voir dans les films futuristes. Ok. Et elle a une fonction particulière là, sur cette planète artificielle? Oui. Je la vois. Calculer, faire des recherches, elle est derrière un écran et elle le calcule, ouais, je redis la même chose parce que c'est exactement ça, elle calcule, elle fait des calculs, elle fait des recherches et des calculs. Et dans quoi, dans quel domaine? L'astronomie, bien. Les comètes aussi, les possibilités de comètes ou d'astéroïdes qui peuvent se croiser, exploser, imploser, créer des étoiles, des choses comme ça, dans la galaxie et en dehors. Ok. Et en quoi ces recherches l'intéressent? C'est pour protéger leur planète ou c'est juste par curiosité? Non, c'est pas que par curiosité, il y a des buts précis. J'ai le terme création, donc pour créer d'autres planètes artificielles dans des endroits stratégiques, des points de correspondance stratégique, on va dire. Dans le futur aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de futur avancé, où on va me montrer justement les planètes qui vont s'installer artificiellement, en fait. Donc, c'est ça qu'elle calcule. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre à partir de cette forme d'existence? Je la vois intégrer une sorte d'armée. Il y a plusieurs sortes de robots biologiques comme elle. Et en partance dispatchée, puisque je la vois vers la Terre ou vers le système solaire, mais vers la Terre. Enfin, il y a plusieurs points stratégiques. Il y a vers le système solaire, dans des planètes différentes, comme Vénus, c'est ce qui me vient, Mercure. Et il y a aussi autour de la Terre, et elle part avec son escadron autour de la Terre. C'est quoi leurs objectifs? Là, il y a une sorte de reconnaissance, c'est ce qui me vient. Un objectif de reconnaissance. Je ne sais pas si tu me comprends, c'est-à-dire qu'elle veut bien étudier le terrain. Voilà, surveiller, etc.
Donc, comme si, et toujours dans le futur, comme s'il y avait une attaque qui allait se préparer, en fait. Pour anticiper une attaque, alors ? Oui, je sens qu'il y a une énergie très lourde, en fait. Hein, on sent que c'est tendu, en fait, dans la galaxie. Tu vois qu'il y a une tension. Et donc là, elle est dans l'attente. Bien. Va jusqu'au moment où il y a l'attaque. Je vois des lasers. Ça part dans tous les sens, des attaques, des vaisseaux. Entre qui et qui alors ? J'allais dire divers et variés. Il n'y a pas vraiment deux camps. Il y a à la fois pour rééquilibrer l'espace. C'est comme on va dire les entités qui sont placées là, elles veulent prendre le contrôle et elle, dont elle fait partie, elle est là pour rééquilibrer l'espace de la galaxie. D'accord. Et d'ailleurs, excuse-moi, mais les planètes qui sont placées artificiellement, c'est pour ça aussi, c'est pour il y a une sorte de contrôle, mais aussi de surveiller que ça se passe bien, justement par rapport à ces entités-là qui veulent prendre le contrôle de cet univers et des autres univers. Qui sont ces entités alors qui veulent prendre le contrôle ? Je vois des reptiloïdes. Plus les reptiloïdes d'ailleurs, au niveau hiérarchique. Donc, qu'est-ce qui se passe alors pour qu'elles se retrouvent incarnées ? Il y a une chute dimensionnelle pendant les attaques. Elle perd de son énergie. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute dimensionnelle ? Elle a été touchée. Ah, oui. Cupole. Je vois une sorte d'énergie, parce que ce sont des sortes de lasers paralysantes. Et c'est comme si elle avait été touchée dans l'épaule droite, là. Et que ça la faisait chuter dimensionnellement. Je la vois tomber dans la grille de la fausse matrice qui est déjà, comment dire, présente, mais renforcée même. Cette énergie de sensation de cette prison, c'est vraiment le terme qui vient en parlant de la fausse matrice. Mmh. Il y a une énergie renforcée, en fait. Et donc là, elle tombe dans les griffes, c'est ce qui me vient, de cette grille. Et elle chute dimensionnellement. Elle rentre dans les roues d'incarnation qui ont été, encore une fois, renforcées et pour s'incarner. Et je l'aperçois réincarnée parce que j'ai le temps qui me défile entre le futur. Ouais. Et là, on m'a parlé de réincarnation de... dans le passé, en fait, j'ai vu qu'elle a se réincarné dans le passé, dans notre passé. D'accord, sa première incarnation, donc sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine, sa première manifestation. Oui. Bien. Ok, alors reviens ici maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues ou des infos qui pourraient nous être utiles ? Non, c'est bon. Bien. Est-ce que regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Dis-moi si tout son ADN appartient à son essence et si elle a été, s'il a été trafiqué ou pas. Il a été trafiqué. Quel pourcentage ? 3,5%. Qu'est-ce que ça les cause d'un problème, ça ? Le contrôle qu'ils ont pris sur elle au fur et à mesure. Donc, elle est désancrée. D'accord. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous sommes en accord, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu apparaître en premier ? Les petits gris. Oui.
Les dracos, j'en vois deux. Jeune. Les gestionnaires de la matrice. Les opportunistes aussi. Ah, d'accord, les démoniaques. Oui, je vois les démoniaques, ouais. Qu'est-ce que lui cause qu'on prenne les démoniaques? Ils appuient sur des failles. Sur? Des failles existantes. D'accord. Quel type d'émotion? Le doute, en premier lieu. Décalage de réalité. Donc, des frustrations, une fausse image de elle-même. La tristesse, en fait, de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour dépasser ces états-là. Je dirais presque à la limite de la dépression. Ça appuie sur des failles. D'accord. Tu vois-tu d'autres alors? Les gestionnaires de la matrice, en remontant jusqu'en hiérarchie, jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle? Non. Aucun parasite. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout acte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Gisèle se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Gisèle à présent? Bien mieux, apaisé, et un soulagement. Bien, maintenant regarde comment réagissent les entités. Il y a de la panique, elles essaient de recréer des brèches pour l'atteindre. Il y a des sortes de jets d'encre qui se fait. Ok, là c'est les gris ou c'est les dracos? Et les petits gris. Et les dracos, ils réagissent comment? Les dracos, si. Ils travaillent pour la récupérer sur des lignes de temps. Voilà. Donc déjà, on va tout bloquer sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière. Tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Bien. Maintenant, vérifie la bulle énergétique de Gisèle. Dis-moi s'il reste quelque chose. Non, il y a des traces quand même. Oui. Des traces énergétiques. Alors, on élimine ça sur tous les plans. Les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et dans les périphéries. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vérifie à présent s'il reste quelque chose en arrière-plan. Pour rien. Bien. Maintenant, regarde les entités si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver. Oui, il y a par des lignes de temps. Oui. Tu vois combien de lignes de temps? Il y en a 9. Et au sein de chacune, dans combien de dimensions? Il y en a 4.
Alors, tu vois un portail dimensionnel et on vire tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Il le referme et tu l'effaces. Oui. Voilà, maintenant vérifie si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Par l'ADN. Ils ont de l'ADN en leur possession. Oui. Alors, on va l'éliminer. Allez, 1, 2, 3. Oui. Regarde s'ils en ont encore quelque part. Il y a une sorte de banque de données, en fait. Voilà. Arrière-plan. Ouais. Donc, il faut tout éliminer également. Allez, 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois encore quelque part. Dissimulé, caché. Là, c'est bon. J'ai un soulagement intérieur. Donc, plus aucun moyen de la retrouver? Non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Là, sur le plan morentiel en observation. Comment tu as son âme? Elle se fait toute petite, elle est repliée sur elle-même. Elle est très, très anxieuse. Comment tu as sa partie subliminale? Elle est transparente. Ok. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Gisèle pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Gisèle. Ah, j'ai le terme « amour de soi » qui me vient. Donc, vivre cette incarnation tout en s'aimant. Alors, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste avant la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 96%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. C'est bon. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a une énergie, une sorte de surbrillance, une surcharge sur tout l'arbre. Comme si des fusibles allaient péter. Oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Tout est surchargé d'informations. Donc on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Il y a une déformation des informations entre les consciences. Une déformation de la réalité aussi, pour Gisèle. Tout est en surcharge, en fait, dans les échanges. Comment est-ce que tu vois que Gisèle est impactée? Son énergie est, à ce moment-là, transformée pour qu'elle puisse se faire entendre. Une surcharge directe. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 36. 36 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a une
des entités démoniaques en fait qui tirent cette énergie que se dépose sur l'arbre, cette énergie de surcharge. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence qui, au sortir des roues d'incarnation, va sortir du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Une sensation de libération, de dégagement de cette énergie, une reconnexion qui se fait entre toutes les consciences, des échanges d'informations qui sont libres maintenant. Comment vois-tu que ça impacte Gisèle? Elle se fait entendre et on l'entend. Il y a un recalibrage en fait qui s'est créé là. Ok. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience pour tous les membres de sa lignée? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 27% et réinformer le reste. Ok, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien, on va s'occuper de son ADN. 3,5% donc trafiqué, nous allons les éliminer. Est-ce que tu vois que en une seule fois c'est possible ou en plusieurs fois? Une fois, c'est bon. Une fois, les 3,5%? D'accord. Donc on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Vérifie en arrière-plan si tu en vois encore. Non, c'est bon. Alors, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? On voit 6. Il y en a 5 d'activées. D'accord. Elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et physique. C'est fait. Bien, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine, de sa conscience ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors on élimine tout, sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Vérifie en arrière-plan si tu en vois. Non, c'est bon. Bien. Vois-tu des programmes liés au manque? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des programmes liés à la limitation? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des programmes liés à l'oubli? Oui. 1, 2, 3. Oui. Et vois-tu des programmes liés à la peur? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu vois des arrière-programmes. Non, c'est bon. Très bien. Donc, elle remplace tous ses programmes par les siens propres avec son essence. Oui.
Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 87%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans votre maternelle, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au delà de toute forme, en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Maintenant, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Gisèle d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'envoie les personnes qui voient, je propose aux personnes qui voient cette vidéo d'en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son unité, sa souveraineté, son discernement, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans tous ces différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui.
À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Gisèle, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, etc. etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain, et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques.
Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou machiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, c'est bon. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu, de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double muscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Elle contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double démiscate activés. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous travaillons sur la colonne vertébrale, l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie et code. Oui. À toi de jouer. Puissance créatrice et amour. Pardon, je me suis planté. Vas-y, il faut que je me concentre. À partir de son chakra cardiaque, se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée et argentée qui englobe tout son espace énergétique et physique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale
reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles avec les organes et systèmes associés. Arrivée au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse des amas sombres et denses de mémoire traumatique. C'est fait. Bien, alors roule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacun des systèmes, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande, immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Alors, elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration aux organes et systèmes qui créent des résonances dans le système des cartilages, muscles, tendons, système osseux, jusqu'au cœur des cellules. Donc c'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et les glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, chakra secondaire, idem, décidément. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 7. C'est fait.
centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc à présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu envoies en arrière-plan. Non, c'est bon. Bien, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmations de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules et bien sûr de sa biologie. Pour ce faire, nous allons inverser les programmes selon la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Rééquilibrage et harmonisation des 5 éléments, et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans, soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue de travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, nous allons faire le tour des systèmes, en commençant par tous les systèmes globalement. Comment les vois-tu ? Il y a du désordre, une circulation irrégulière. C'est dysfonctionnant. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer ? Des mémoires traumatiques. Des programmations d'habitude de fonctionnement, de compensation, de réaction de l'élémentaire. Ok, alors on élimine tout, surtout des plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, les systèmes racinaires et périphériques. Donc la prochaine fois, je dirai comme précité pour faire plus court. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans. Non, c'est bon. Bien. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu ? La circulation est irrégulière, il y a du désordre, c'est bloquant à certains endroits. Que vois-tu à éliminer ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement et de compensation de l'élémentaire. Alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans. Non, c'est bon. Bien, alors que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale avec la production de la valentonine, cette fameuse hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. 37%. Combien ? 37. Ah oui, donc tu la programmes pour être à 100%
tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Voilà, pour accélérer, tu balises un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? C'est dissonant. Il y a un dysfonctionnement entre chacun des systèmes. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations, d'habitudes de fonctionnement, des compensations aussi de l'élémental. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Ah oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie, de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Maintenant, vérifie l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui, à reconnecter. Alors, allons-y. Donc, on va le faire en cascade jusque dernière. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois un arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Alors, système neuronal, globalement, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, allons-y. En cascade, idem. 1, 2, 3. Oui. C'est bon en arrière-plan? Oui, c'est bon. Donc maintenant, toujours système neuronal, mais spécifiquement les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs et les systèmes perceptifs. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem en cascade. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, des reconnexions? Oui. 1, 2, 3. Oui. Système ORL, visuel et respiratoire, des reconnexions également? Oui. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans. C'est bien, alors que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Comment les vois-tu? Dans l'ensemble, il y a une circulation assez faible. C'est irrégulier, bloquant à certains endroits. Que faut-il éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de fonctionnement et de réaction. Alors, on élimine tout sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Bien, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Comment les vois-tu? Il y a de la dissonance dans les échanges d'informations entre les systèmes, une faible circulation également, c'est dysfonctionnant. Que vois-tu à éliminer? On a des programmes, d'habitude de fonctionnement, des mémoires traumatiques et des programmes de réaction aussi de l'élémental. Alors on élimine tout, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons pouvoir aborder les points. Donc, le premier point qu'elle a évoqué, ça c'était hors antenne, il s'est rajouté. Donc, une allergie à l'effort, ça lui donne de l'urticaire sur la gorge et les avant-bras,
À quoi c'était dû? Alors, je vois déjà la faible circulation de son système cardiaque, en tout cas circulatoire. Et la réaction, c'est l'énergie diamantine qui était envoyée, qui n'est pas naturelle dans son ancienne situation, dans le dispositif. Bien. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer là? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Il y a des programmations de réaction élémentaires. Ok, donc on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Le système cardiaque et circulatoire, est-ce qu'ils sont maintenant normalisés? Pas tout à fait. C'est okay. Pas encore assez donc, fluide. Alors on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit être là. Oui. Est-ce que tu vois que c'est complet là? J'ai encore une retenue. Je sens pas qu'il y a la circulation. Est-ce qu'il reste des mémoires de ce produit ou pas de ce qu'ils ont injecté? Oui. Ok. Oui. Alors, on élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Là, il ne reste plus rien. Bon, là, il n'y a plus rien. C'est soulagé. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il serait nécessaire d'une énergie spécifique pour dynamiser tout ça? Système cardiaque, circulatoire? Oui, énergie spécifique. Et puis, j'ai eu l'information aussi d'infuser cette énergie diamantine, mais naturelle, donc qui ne vient pas de l'extérieur. D'accord. Alors déjà, elle va l'inspirer. Hein. C'est dans l'air, c'est autour de soi. On va faire en sorte de la respirer par tous les pores de sa peau, ses narines, toutes les parties d'elle. Oui, ça se rééquilibre. C'est bon. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, manque de concentration. Ah oui, pour les tickets, on peut inviter son élémental à mettre un baume pour les parties qui sont concernées. Un baume apaisant en cas où. Oui. Voilà. Alors, manque de concentration, regarde à quoi c'était dû. Son système neuronal et j'ai le terme grillé qui me vient en fait. C'est dû à l'irradiation. Bon, avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que c'est réparé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Non, là c'est correct, ça recircule, c'est rééquilibré. Ok. Rien à rajouter? Il y a encore cette idée d'énergie diamantine. Là aussi dans le cerveau? Oui. Ok. Tu en vois encore des traces, des mémoires? Oui, parce que c'est spécifique en fait à chaque endroit et chaque problématique qu'elle a eue. Alors ce que tu vas faire, tu vas rassembler chacun des endroits spécifiques. On va tous les faire d'un coup. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui. Bien. Alors maintenant, on va les éliminer sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, les lignes de temps jusqu'aux réminiscences, les systèmes racinaires et périphériques. 1, 2, 3 pour toutes les parties. Oui. Vérifie maintenant si tu en retrouves quelque part dans ces corps. Non, c'est bon. Bien. Alors, pareil, elle va remplacer par l'énergie diamantine qu'elle va respirer dans l'air autour d'elle, par ses narines, par tous ses pores. Oui. Et dans toutes les parties concernées, elle va donc les remplir, les nourrir. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est rééquilibré.
Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, à l'âge de 14 ans, elle a eu plein de malaises, beaucoup de fractures, etc. Elle se demande pourquoi, pourquoi tout ça. Je vois que c'est dû au dispositif ou au changement de fréquence dans sa machine. Ok, voilà, c'est ce qui a provoqué tout ça. Bien. Oui. Ok, alors les lymphocytes cancéreux, voilà, regarde, même si c'est réglé, regarde qu'est-ce qui s'est passé là. L'irradiation qui a créé ça. Bien. Alors maintenant, on va traiter toutes les parties qui ont été irradiées. Ok? Oui. On va toutes les faire d'un coup. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de fonctionnement de l'élémental, de réaction. Il y a aussi des programmes qui ont été créés artificiellement et qui sont pas adaptés maintenant. Alors, on va éliminer tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si tu envoies un arrière-plan. Non, c'est bon. Alors que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. Regarde au niveau des lymphocytes, justement, si tu vois qu'il y a besoin d'énergie spécifique. Non, ça a été rééquilibré. D'accord. Ouais, je vois qu'il y a l'énergie nécessaire, un rééquilibrage. C'est juste des conséquences, en fait, l'élémental a subi. Mais au niveau des lymphocytes, c'est correct. Ok, alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc il y a le cancer du sein droit avec une nécrose, avec son mamelon qui est rentré. Voilà, regarde-toi, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Voilà, il y aurait un ganglion qui n'a pas été trouvé. Qu'est-ce que tu vois toi de ton côté? J'ai le terme malformation qui m'est venu. Ouais. Pour le mamelon? Ah oui. D'accord. Et là, j'ai les conséquences du dispositif, de ces énergies-là, de ce cocktail d'énergie, on va dire. Okay. Et pour ce cancer, donc, qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est une conséquence de ces énergies-là. Bon, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance bien ancrées, des programmations de compensation de l'élémental. Okay. Alors, on élimine tout ça comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans. C'est bon. Alors, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Donc, comment tu vois maintenant donc les cellules de son sein? C'est clair, il y a de la clarté. C'est ça. Pour moi, c'est OK, c'est rééquilibré. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, suite au traitement à la douleur articulaire, surtout dans les mains, main gauche, pouce, etc. Et puis, poignet à gauche aussi qui se bloque. Le majeur de la main droite également. Qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces parties? C'est les réactions du traitement avec l'énergie de l'ancien dispositif. Et encore Ok. une fois, de l'ancien dispositif avec l'énergie diamantine qui n'était pas naturelle. Bien. Donc, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer là? Mémoires traumatiques, des programmations de réaction de l'élémental, des programmations aussi créées artificiellement qui sont inadaptées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3.
Oui. Bien effet les arrière-plans. Non, c'est bon. Bien que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On invite ton aide mentale à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses, enflammées. Oui. Est-ce que tu vois autre chose à faire? Non, c'est correct. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, si tu regardes son majeur à la main droite, est-ce que tu vois que c'est débloqué? Oui. Le poignet à gauche. Oui, ça circule. Les énergies, en tout cas, la partie énergétique de ces endroits-là sont rééquilibrées et je vois que ça circule dans l'élémental. Parfait. Alors, sujette aux insomnies, avec ce qu'on a fait sur la pinéale, est-ce que tu vois que c'est suffisant ou tu vois une intervention spécifique? Non, c'est suffisant. Parfait. Ostéoporose, regarde ce qui lui arrivait. Pareil, des réactions de l'élémental. C'est comme si les énergies discordantes la grignotaient, en fait, au niveau des os. Bon, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé d'abord? Il y a des mémoires traumatiques hein, avec écho et résonance. Il y a des programmations de réaction de l'élémental. Et des programmes créés artificiellement également, qui sont inadaptés. Bien, je suppose que le mental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie les arrière-plans. Oui, c'est bon. Alors que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Et on peut inclure des cellules souches par toutes ces parties osseuses, avec de l'eau primordiale et une énergie spécifique. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon, ça se rééquilibre. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Furoncle à la vulve, qu'est-ce qui se passait? Je vois comme une cellule morte, ce serait une réaction de l'élémental. Oui, parce que c'est lié à tout son système de chakras qui était déséquilibré et pas aligné. Les énergies étaient déviées par rapport à la partie subliminale, donc ça a atteint son chakra racine et ça s'est matérialisé en cellule morte, entre guillemets. C'est comme ça que je le vois. Alors, qu'est-ce que tu vas éliminer là maintenant? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de l'élémental, d'habitude de fonctionnement, de compensation aussi. Alors, on élimine tout ça. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Rien en arrière-plan. Non. Alors, on va inviter son élémental à faire ce qu'il faut pour éliminer cette. Donc, ce furoncle-là. Oui. Voilà. Tu as autre chose à faire? Non, c'est bon, ça se rééquilibre. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, depuis un mois, elle a des douleurs dans les jambes. Regarde pourquoi, depuis un mois, ces douleurs dans les jambes. C'est bloqué. Il y a la circulation qui est bloquée, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est produit il y a un mois? Alors, je vois une énergie bleue s'infuser en elle. Donc, Encore la même? D'accord. Bon, est-ce que tu vois qu'il en reste encore là? non, ça s'est Non, réécrit, hein? ça circule correctement. Ok. Parfait. Alors, autre point, sa relation avec sa fille, voilà, ils étaient complices jusqu'à ce qu'elle a eu 20 ans. Maintenant, la relation s'est dégradée, surtout depuis qu'elle est avec son compagnon.
Elle ne voit plus les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec elle? J'observe comme une énergie qui forme un 8, une sorte de spirale au-dessus de leur crâne à toutes les deux. Ah. Comme un 8, ça tournoie comme ça. Allez, un lemnis 4. Qui est-ce qui l'a installé, ce lemnis 4? J'observe un reptiloïde. Ça. Ok, dans quel but il a fait ça? J'entends pour créer des dysfonctionnements. Créer des dysfonctionnements énergétiques. Ce reptiloïde est du côté de sa fille ou de son côté à elle? À elle. À sa fille. En fait, il y a des tests aussi. Je vais des tests. Entre les énergies et les relations, par exemple, quand il y a l'amour qui est diffusé, comment pouvoir extraire cette énergie d'amour? Comment extraire, amplifier ou en extraire aussi. Ils sont là aussi pour extraire des énergies dans les relations. J'ai pas bien compris. C'est du côté de Gisèle ou du côté de sa fille? De Gisèle. D'accord. On ne l'a pas vu, ce reptiloïde? C'est les mêmes. D'accord. Ok. Il est encore là, ce lemnis 4? Alors, oui, il est encore là. Alors, on va l'éliminer. Tu ouvres un portail et tu vires tout. 1, 2, 3. Ah oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde si tu vois autre chose. Des traces traumatiques, on va dire, d'énergie. Alors, idem. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. Oui. Comment tu vois maintenant? C'est plus clair, les relations. Ok. Donc, on va faire venir sa fille avec les enfants et même son compagnon. Oui. Donc, elle se trouve devant elle. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective. Oui. Comment réagissent-ils, surtout sa fille? Elle se rend compte qu'elle était hypnotisée. C'est un peu bien. Ok. Donc, elle lui propose de faire le même travail avec elle si elle veut. Elle peut profiter de cette occasion. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Est-ce que tu vois que chacun est en capacité de le faire soi-même? Elle, oui, sa fille, mais pas le compagnon. Le compagnon est d'accord avec ça? Oui. Donc, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Voilà, il monte en fréquence et il observe ce qui vient de se passer. Il comprend surtout. Voilà. Donc, il est OK pour faire le travail? Oui. Donc, ils peuvent tous commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Ils ont les énergies, ils ont les informations, ils en ont les moyens, les compétences. Donc, ils peuvent commencer dès maintenant, tous, s'ils le veulent. Oui. C'est bon? Parfait. Alors, la relation à la famille est compliquée aussi, avec ses frères et sœurs, etc. Donc, qu'est-ce que tu vois là? La lignée, je dirais que c'est l'arbre. Ah. D'accord. Bon, on a travaillé sur la lignée. Est-ce que tu vois que c'est réglé maintenant? Oui, c'est réglé. Elle prend sa place. En ce qui la concerne, est-ce que tu verrais quelque chose à faire de particulier? Non, pas spécifiquement. C'est juste de la réinformation d'énergie entre les consciences. Ok. Besoin de réinformer? Oui, spécifiquement à sa problématique. Oui. Ah ben alors, allons-y. Oui, c'est fait. Voilà, c'est... Autre chose à faire? Non, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, une personne a offert une poupée de chiffon à sa fille et elle lui a demandé ensuite de la brûler. Regarde pourquoi.
Alors, j'observe, en fait, sur la poupée, je vois des énergies qui bougent, qui bouillonnent de basse fréquence, basse fréquence, pardon, sur la poupée. Je vois pas de lien spécifique à de la magie ou autre, mais c'est juste des énergies de basse fréquence qui sont ancrées dans la poupée. Donc, c'est peut-être ça qu'elle a perçu, la personne. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas eu d'opération particulière qui ait pu charger cette poupée? Non, je ne vois pas. Là, ok, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des peurs des nains et des araignées? Alors, c'est deux choses différentes. Ouais, bah on commence par les nains. Alors, je vais dire les araignées, c'est... Il y a eu des arachnoïdes à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, dans sa ligne de temps, qui l'ont interféré. Dans cette vie-là ou une autre vie? Non, dans une ligne de temps et dans une autre vie, ou dans d'autres vies. Il y a eu des interférences, comme voilà, j'ai le terme collaboration, de temps en temps ils intervenaient. Avec les reptiliens. Ok. Et en ce qui concerne les nains, alors? Les nains... j'arrive pas à prendre l'information. Je vois rien, en fait, par rapport aux nains. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi? Ben là, seulement peur des nains, c'est tout. Il ne s'est rien passé. Pourquoi nains, cette peur des nains? Je vais compter à trois. À trois, tu vas trouver l'origine de cette peur. 1, 2, 3. C'est en quatrième dimension. Ouais. Il y a une sorte de conflit. Je dirais pas. Bon, j'avais vu le terme guerre, mais c'est plutôt un conflit entre les élémentaux. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Elle était faite prisonnière aussi. À quel moment? Alors, est-ce que c'est une autre ligne de temps? Je la vois se faire prisonnière en temps. Est-ce qu'il s'agit d'une autre partie d'elle-même? En quatrième dimension? Oui, on dirait. Ah, oui. C'est ça. D'accord. Et est-ce que cette partie d'elle-même est encore prisonnière ici et maintenant? Ah oui. Oui, c'est lourd. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait prisonnière? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un conflit. Il y a une trahison. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a... Elle a été... comment dire, mis en prison pour trahison, en fait. C'est quoi la trahison? C'était pour sauver, elle voulait sauver quelqu'un, un proche, mais quelqu'un qui n'est pas de la quatrième dimension. Et que c'était dangereux de le faire. Donc, elle a été enfermée pour trahison. Et il était de quelle dimension? C'était pas de la quatrième, alors? Il n'était pas de leur peuple, en fait. Il interférait. On aurait dit que c'est comme si... c'est très bizarre. Elle voulait sauver un reptilien, un petit gris. Enfin, un petit alien, je ne sais pas trop. C'était bizarre, en fait, la relation. Peut-être qu'il y a eu un échange de consentement aussi. Donc, comme c'était pas très sain, je sais pas si tu comprends en fait la scène. Oui, vas-y. Elle a été enfermée pour trahison. Il faut pas échanger avec ces races-là. D'accord. Et surtout pas accepter en tout cas. Tu la vois sous quelle forme elle en 4e D, dans cette expression d'elle. Dans ce peuple-là, un élément. Un gnome, je dirais. Gnome. Ok. Voilà. Quelle prisonnière?
Oui, parce que je sens une lourdeur, donc un lien fort hein, par rapport à cette situation. Ok. Donc tu t'approches d'elle? Oui. Voilà, tu dis que tu viens de sa, d'une de ses parties physiques en 3D. Ah oui. Voilà, qui vient l'aider, est-ce qu'elle est ok avec ça? Oui, elle prend l'information. Ok, c'est, elle est féminine ou masculine là, dans cette forme? Masculine. Masculine, ok. Alors puisqu'elle a accepté de t'aider, on va la connecter directement à la source. Pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui, pour elle maintenant, pour lui? Une montée en fréquence et je vois le lien se couper. Je vois comme s'il y avait un rééquilibre énergétique qui se crée entre sa partie physique ici et maintenant et sa partie gnome. Le lien est coupé, dissous, et c'est calme. En fait, comme elle a pris conscience de cette partie-là, donc il y a un soulagement intérieur qui se crée là. Bien, on regarde la partie physique, comment elle est impactée. C'est apaisant. D'accord. Ok. Parfait. Tu vois autre chose à faire? Là, c'est bon, c'est correct. Alors, pour les araignées, on va éliminer donc ces mémoires, hein, ces mémoires du passé. D'accord? On les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Comme précédé. Oui. On va d'autres en arrière-plan? Ah non, c'est bon. Bien, alors on va faire un dessin. On est dans le futur, au moment où la métabolisation est pleinement réussie. Je veux savoir comment elle réagit avec, en rencontrant un nain. Et une araignée. Il n'y a rien qui se passe, pas d'angoisse. Elle est calme, ça ne l'atteint pas. Il y a même un regard de curiosité par rapport aux nains. Et aux araignées, ça ne la touche pas. Dans son corps émotionnel, elle n'est pas touchée en tout cas. Bon, qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation par rapport à l'ancienne? De la sérénité, de l'apaisement, il y a une paix intérieure, un bien-être qui s'installe. Alors, tu as le premier temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Ceci étant fait, lorsque son mari a été malade et qu'elle aussi après, à chaque fois, il y a une chauve-souris qui est entrée dans la maison. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Oui. À travers la chauve-souris, je vois des entités démoniaques, en fait, qui se manifestent. D'accord. Il y a eu des conséquences? Non, elles ont. Enfin, non, il n'y a pas eu de conséquences, mais les entités ont profité de ces failles de malade, de maladie, pour aspirer encore l'énergie, un peu plus l'énergie. Il n'en reste plus rien, là? Non. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive plus pas à vendre la maison depuis qui est en vente depuis 2 ans? Regarde, qu'est-ce qui bloque? Il y a un papier, je vois un papier, je sais pas. Ben, tu vas savoir, tu regardes ce papier. Tu... Oui. Tu sais pas, je sais bien que tu sais pas. On est là pour savoir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois sur ce papier? C'est le papier d'une vente. Et à chaque fois, je vois une sorte de stylo plume, une plume. Quelque chose d'écrit d'ancien. Mmh. Comme un acte de vente qui a été fait il y a très longtemps. Alors, est-ce que c'est dans une autre vie? En fait, c'est ça qui bloque, en fait. Oui, oui bien sûr. Alors, voilà, regarde. Cette vie. On est où, là? J'ai envie de te dire, chez le notaire. Non, c'est la première chose qui m'est venue.
Bien. en train de signer l'acte de vente. Et c'est dans les années, je ne sais pas, 1700, quelque chose comme ça. Et je les vois en lien tous les deux, hein, Tous les avec deux, cet tu parles de acte qui? de Gisèle et de son mari, c'est ça? Ouais. Ou compagnon, peu importe. Compagnon, oui. Enfin, là, ils sont mariés, hein, en l'occurrence. Ah, d'accord. Et donc, il signe un acte de vente, c'est ça? D'achat. Oui, il y a en fait une histoire d'héritage. Ouais. Et comment dire, c'est comme si l'acte avait ruiné l'un ou l'autre. Je sais pas exactement. La famille. Ouais. Pourquoi donc? Parce qu'il y avait un notaire véreux qui. Bah, véreux, ça veut dire qu'il s'est, en signant l'acte, il s'est pris de l'argent dessus. Ça a ruiné une des deux familles. Il les a spoliés, quoi. Exact. Ouais, spolié, ouais. D'accord. On Donc est dans c'est quel relié à pays? la signature. On est dans quel pays là? En Amérique. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui fait que ça a un impact aujourd'hui alors avec ça? Bah, c'est le lien karmique de la signature, parce que c'est, je revois tout le temps ce stylo, cette plume et cette feuille. Donc, c'est par rapport à l'acte de vente aujourd'hui. Et on va dire, on aurait dit que c'est la même configuration. Et du coup, ça bloque, puisque bon, là, le notaire, il n'est pas véreux ici et maintenant. Mais il y a D'accord. toujours ce lien karmique, en fait, qui Bon, empêche voilà. que. Ils vont couper tous les deux les liens karmiques, alors. Allez. Elle et son compagnon. Les groupes 1, 2, 3 sur tous les plans, jusqu'au. Comme précité. Hein. 1, 2, 3. Oui, il y avait même plusieurs liens, oui. C'est fait. Regarde si tu en vois encore un arrière-plan. Non, c'est bon, c'est fluide. Regarde si tu verrais des raisons encore pour que la maison ne se rende pas ou retarde. Non, 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 non. Oh. Les liens sont coupés, c'est fluide. L'énergie est en route pour que ça se vende. D'accord, pour tous les deux. Oui. Parfait. Eh bien, on va regarder maintenant son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes qui sont, enfin qui étaient, hein, sur l'ancienne ligne de temps, et les croyances qui en découlaient. Limitante, évidemment. Je vois Alors des attends. Donc regarde son corps mental. y a des couches de programmation limitantes, des programmations de brouillage même, briquées les unes sur les autres, compactes, avec la croyance comme quoi elle n'a pas la connaissance, ni l'énergie et la force nécessaires pour dépasser ces états-là et les dégager de sa réalité. Et qu'en pensent à présent toutes ces autres parties sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été dit, entendu et compris et intégré? De là où elle se trouve, de cette perspective-là, elle peut s'en dégager, les traverser, les pulvériser, mais les transmuter aussi. Bien, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des empreintes traumatiques et des programmations de fonctionnement. Alors, on élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps jusqu'aux réminiscences, les systèmes racinaires et périphériques. 1, 2, 3. Oui. Plus rien en arrière-plan? Parfait. Alors maintenant, tu vas regarder son corps émotionnel, toujours sur l'ancienne ligne de temps, et que tu me dises donc toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Oui. J'aperçois des basses fréquences générées par des frustrations, beaucoup de frustrations qui découlent de la tristesse d'être dans cet état-là, de la colère aussi, de ne pas arriver à dépasser ces états. C'est lourd, il y a une fausse image d'elle-même qui se crée, il y a de la fatigue énergétique.
De la, je dirais même de la, ça amène à de la dépression. Ça appuie fortement. Voilà. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre cette incarnation dans cette condition-là. La partie physique, elle se sent rejetée, abandonnée et trahie par la partie supérieure. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a le sentiment d'humiliation, de ne pas arriver à dépasser ces états-là, cet état d'être latent, de frustration, beaucoup de frustration. Par réaction, et pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle se crée des coquilles de défense qui la coupent de ses connexions intérieures. Elle se crée des armures de protection pour éviter les pics de souffrance. Ça la met dans une énergie de basse fréquence. Elle est coupée d'elle-même au fur et à mesure qu'elle avance dans l'incarnation. Voilà. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Bien évidemment, il n'y a plus rien maintenant. Enfin, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer en fait de cette ancienne ligne de temps? Il y a des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Il y a des programmations de fonctionnement également. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Tu vas voir un arrière-plan. Non, c'est bon. Alors, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. En Oui. activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Gisèle à présent? Il y a une force intérieure qui se déploie, une puissance, un alignement, du centrage, beaucoup de joie qui en découle de ce nouvel état d'être et du plaisir par anticipation d'expérimenter dans cet état-là. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles situations? Elle a l'intention claire et la volonté puissante de garder en mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, quelles que soient les circonstances, l'espace et le temps. Alors, que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et voire même de cette expérience en tant que Gisèle? Il y a beaucoup de joie qui émane d'elle et de plaisir d'avoir à vivre dans ce nouvel état d'être, d'équilibre. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élément mental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui.
et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite santé, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent ce sentiment de dignité et de légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences, les passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu viser à la présent? Bien centré, aligné dans toutes ses parties. Il y a beaucoup de joie, du plaisir, de l'équilibre. Alors, ça va être le moment des invitations. Oui. Donc, elle a nommé son mari, sa fille et sa famille, ses frères et sœurs et leurs familles respectives, la famille en général, les amis de cœur, tous ceux à qui elle pense d'aventure, elle en a oublié, et puis les poules, les lapins et tous les animaux de la famille. Oui. Ils seront invités pour la douche. Bon, donc elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que tout le monde choisit d'en profiter? Oui. Alors avant ça, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur accord en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et informations d'origine avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les packs, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Gisèle pour elle-même, bien sûr, chacun adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle sont conviés donc tous les animaux. Oui. Voilà. Maintenant, on va passer au désincarné. Tout le monde s'est mis à l'œuvre, je suppose. Oui. On va passer au désincarné, à la nommer celui qui a été son père. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan astral, dans une énergie assez basse, je dirais, dans sa propre réalité qu'il s'est construite. Alors, vérifie son ADN, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Une montée en fréquence haute, soudaine, qui le place hors de cette bulle, de sa réalité. Il le prend conscience dans sa réalité, dans quoi il était en fait.
Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, s'il veut s'exprimer, dire quelque chose à Gisèle et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre. Oui, une énergie de remerciement pour le travail que Gisèle est en train de faire, pour elle et sa lignée d'ailleurs. Il veut exprimer et dire qu'il était submergé par des poids du passé. Donc, il n'a pas agi comme il fallait dans sa vie. Donc, c'était comme des regrets. Mais que maintenant, il est bien. Donc là, il déploie une énergie d'amour vers toutes les consciences qu'il a connues, ainsi que Gisèle. Bien. Avant de remonter, demandez s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Gisèle des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Allons-y. C'est fait. Et bien maintenant, on va pouvoir le saluer et le remercier. Oui. C'est fait. C'est bon. Bien, maintenant c'est le tour de la grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est dans le moyen astral, dans son propre monde, mais je dirais assez bien. Bien, tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent pour elle? Une montée de fréquence. Elle est bien. Elle est contente d'être là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Gisèle et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Il y a une onde d'amour qui se déploie vers Gisèle, sur toute sa lignée de femmes, vers sa mère aussi, pour l'aider. Et une énergie de remerciement pour toutes les autres consciences qu'elle a connues, de l'avoir croisée ou de les avoir croisées sur son chemin. Voilà. C'est fait. Eh bien, la salut. Oui. On revient à Gisèle. Oui. Alors, est-ce que tu vois des liens toxiques à couper? Oui. Donc, elle va tous les couper et dissoudre les racines sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et donc périphérique. 1, 2, 3. Oui. Vérifier un arrière-plan. C'est bon. Parfait. Elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile et dissout toutes les racines dans les mêmes conditions. 1, 2, 3, que préciser. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer. Donc, toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'une autre personne, comme dans les dents du sang, ou du sang stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc., sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtil et physique, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu
de ses propres intentions ou créations, volontaire, délibéré et éclairé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace potentiel, elle récupère toute son énergie. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle que il ne s'agit pas d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui les nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace mouronciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de la muscade activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie et l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, en particulier bien sûr les parties cancéreuses, hein, celles qui ont été infectées, et sur tout son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 8 et 6 de connectés. Elle peut connecter les deux autres? Oui. Allons-y, connecter et activer. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi, quelle différence cela fera pour elle? Ça va activer de nouvelles énergies, de nouveaux potentiels. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, Jean-Michel me dit combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. De 9 à 13 mois. De 9 à 13, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un bien-être général qui s'installe. Avec la santé également. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses attitudes post-séance? Oui, par vague, il y a des frustrations qui vont revenir. Elles vont aller revenir. Le mental égo. Il se sent en insécurité parce que les anciens programmes sont désinstallés, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc il va rechercher ce qu'il connaît par le passé pour les ramener dans le présent, pour se sécuriser. Bien, il suffira bien sûr à Gisèle de se souvenir de ce qui vient d'être dit, et surtout dans ces moments où il semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent. En se souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est comme ça que ça se passe, et en restant confiante et optimiste,
elle soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail, et plus courte pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité, en profondeur et en efficacité. Et pour soutenir toutes les parties de Gisèle, donc dans tous ces processus, tu vas aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Alignée, centrée, équilibrée, une stabilité intérieure. C'est calme, c'est apaisant. Il y a beaucoup de joie et de plaisir d'avoir à vivre dans cet état-là, cette expérience-là. Alors, tu n'as pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au sens supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient de nouveaux repères, des nouvelles références, du connu, et même des habitudes qu'elle peut programmer et installer dès maintenant, et même les ressentir. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons regarder son domicile. J'aimerais qu'il me dise comment tu le vois. Donc, c'est une maison qui a aussi des gîtes. Hein. Je vois des faisceaux lumineux qui partent du sol et qui, interfèrent le domicile aussi, l'intérieur. Ça interfère, ça met dans des énergies bouillonnantes, je dirais. C'est pas des basses fréquences, mais ça bouillonne, ça fait des décalages énergétiques. Alors regarde d'où viennent ces faisceaux lumineux qui viennent du sol. Qu'est-ce qui émet ces faisceaux? C'est un désordre géobiologique, ça vient au centre de la Terre, de très très loin, dessous de la Terre. D'accord. Alors regarde si on peut faire une dalle suffisamment épaisse pour que les faisceaux ne puissent plus y passer, avec des canalisations qui vont évacuer les énergies à l'extérieur, loin bien sûr des autres habitations pour ne polluer personne. Et si tu vois que pour toi, c'est la solution? Oui, j'ai vu. J'ai vu au début, ça s'est allé sur le terrain, et quand tu as parlé de canalisation, ça dévie en fait l'énergie. On dort aussi du terrain. Voilà. Donc tu programmes cette dalle pour être stable et surtout indestructible. Oui. Voilà. Et pendant que sa partie subliminale va faire le travail, pendant qu'on fait le travail, sa partie subliminale est invitée à faire le même travail dans l'autre maison qui est en vente, pour faciliter donc la vente, hein, le nettoyage. OK? Oui. Donc, en ce qui concerne cette maison, elle va faire une puissante tornade. Elle va nettoyer tout l'intérieur, l'extérieur de la maison, les murs, bien sûr, les mémoires, les meubles, les objets, partout où c'est nécessaire, caves et greniers s'il y en a, là où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Voilà, s'il y a des dépendances et autres, C'est fait? Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée, sécurisée. Oui. Sur le compteur qui est un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, encore fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée, sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et les autres occupants, s'il le veut également, comme son mari. Oui. Voilà.
Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relis le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Comme par exemple la vente de sa maison. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double lamiscate activée. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et tu sécurises. Oui. À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation donc pour toute la séance et toute la phase de métabolisation. Du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, elle s'installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, la situation ou son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Et pour être stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion est maintenant directe, libre et sécurisée entre elle, sa partie physique et son soi supérieur. Bien. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Que c'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par l'entière confiance en ses propres capacités et par une claire intention et déterminée. Bien, alors il suffira bien sûr à Gisèle de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Alors, comment vois-tu maintenant son âme? Elle s'est expansée, je dirais qu'elle a grandi, elle est calme, elle est posée, elle est bien. Et sa partie subliminale? Elle s'est stabilisée, rapprochée de la partie physique. Elle est stable. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Gisèle, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleurs, rayons, énergie, parfum, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double de lamiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Gisèle avant la séance et quelle est-elle à présent? De 61 et maintenant de 191. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux.
Coco. Ça va, Laetitia? Oui. Bon, bien ancré? Oui. Allez, à nous, Gisèle, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Eh bien, que dire, un grand merci, beaucoup de soulagement, et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup ressenti surtout. Voilà, la séance m'a beaucoup parlé sur mon corps, en fait. Voilà, donc merci Laetitia et merci Pascal infiniment, vraiment. Voilà. Eh bien, merci à toi et merci Laetitia, évidemment. Voilà, oui. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, les compréhensions s'affineront au fur et à mesure des écoutes, et dans ces moments de métabolisation dont tu as déjà entendu parler, je suppose, eh bien, ça te soutiendra en refaisant toute la séance du début jusqu'à la fin. D'accord. Hein? Tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. Que j'ai compris. Tu n'es pas cette appréhension. Hein? Voilà, et donc tu refais la séance comme aujourd'hui, hein, tu fais en sorte de la ressentir, de la revivre, et ça restimulera les énergies, et ça mettra en place ce qui doit naître s'il y en a besoin. Merci, merci voilà. Encore. Merci. Bon, on va te souhaiter une très bonne métabolisation, donc puis j'espère que j'aurai des nouvelles de toi par mail, quand tu veux, si tu veux. J'y compte. Très bien. Eh bien, je note. Merci. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ta séance alors? On la publie? Oui, si tu peux me mettre en flouté pour moi. Tu préfères flouté? D'accord. Oui. Bon, ce sera mieux que rien. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.